Bonjour, dis compatriotes, nous saluons chaque internaute qui est déjà devant écran, que ce soit computer, téléphone ou bien téléviseur. Peu importe, nous disons courage, nous disons tiens mes raids par moli. Et information vraiment triste, mais ces missions, ce travail, nous ne sommes pas capables aux informations. Comment y est? Nous n'avons pas besoin d'une réponse ou pour dire si ou mal ou bien, réponse là, nous connaissons déjà. Tout va mal. Et République d'Haïti y a confronté une série de moments je vous dis à la qui est extrêmement douloureux. Chaque grain petite li obligé à marier paquet yo puis au faire voile côté yo penser la vie capable mieux. Chaque grain haïtien tout a vivre ses corps là mais esprit yo déjà voyagé. Chaque grain haïtien a résisté mais yo pas vivre en Haïti par rapport avec la conjoncture et dans domaine sécurité pas la porter ou pas permettre que rete là pour yo goumer pas permettre que rete là pour yo vivre même parce que les moyens sont là pour nous capable sortir dans crise que nous y a ni par l'autre que yon révolution massive que yon révolution à l'unanimité mais est-ce que haïtien prêt pour ça est-ce que haïtien une volonté pour ça par rapport avec je nous chaque quartier chaque ruelle chaque zone qui est fin gangler chaque zone qui est fin gangsterisé c'est une façon que me penser go autorité dans pays a qui stop et la masse défavorisée pour pas camper pour pas crier pour pas prendre la rue à révolter ça que li gen besoin donc contrôler depuis dans la caille kidnapping a fait par ci par là kidnapping nan li contrôler kidnapping nan li gen yon manette la dedans si yon kidnapping que nous capable dire qui gen yon directive la dedans pour bay yon sens pour bay yon couleur avec la république ou du moins pour capable finir ensemble avec yon pouvoir quand il s'agit de un groupe qui part dans tête pays a quand il s'agit de un groupe qui part gain monopole activité qui est politique là surtout eh bien yo va utiliser la politique pour capable semer la terreur et même disqualifier le groupe en place pour montrer que li pas gagné capacité pour le diriger eh bien c'est bien cette bataille là que nous vivons. Et actuellement, madame, monsieur, en Haïti, chers internautes, nous là pour nous décrire la réalité, pour nous là pour nous porter information, côté que nous avons plusieurs points qui ont dominé l'actualité. La police fait connaître que DCPJ est toujours à continuer à mener enquête sur le dossier 120 000 cartouches qui ont été saisies et sous WAF pour DPA dans le commencement mois juillet. Dans le cadre d'enquête, ça, il y a des arrestations qui ont été faites. Il y a Robinson, qui est un avocat et qui est membre, ou du moins qui a travaillé dans le cabinet ministre de Justice Berto Dorsey, mais qui est un ex-conseiller, à vrai dire, je ne veux dire là, qui nommait la police en pile parler à fait au niveau de Barreau de Port-au-Prince qui t'a fait connaître, il était supposé by aval, il était supposé approuver arrestation et sinon c'est une arrestation illégale. Bon, nous va regarder pour nous ça tout à l'heure dans développement exclusif actuel. Gogou men dans ti rivière la Tibonite entre Negaxam en plus passé une vingtaine monde déjà joindre l'amoyo d'après collectif défenseur plus qui sorti en note et nous pral gagner pour nous décortiquer tit sa yo nan et développement exclusif actuel. Dans une note vocale que Chris la lui-même qui c'est actuel chef qui nan tête groupe armé au niveau de 3e circonscription plus précisément dans zone Tibois lui-même mettait dehors et qui mande population pour réveiller parce que moment c'est pour révolution lié. Chris la dit population dormi trop, je supposé lever campé, je supposé prendre la rue pour révolter. Donc c'est Chris la lui-même qui vient avec un message de révolution. 400 maozo fait gros dégâts, yo entré en dans yon l'église dans commune Croix des Bouquets que yo prend aller et puis touyer yon inspecteur police non lycée Reginald Lalo. Si place Kazo, yon groupe individu moun pa rive identifié, si men katouche sou yon groupe jeune garçon, parmi yo 5 rive joine la mort yo. 16 citoyens haïtiens sans espoir prend la main à bord yon ti canote sous île Bahamas te rive joine la mort. Après tout site sa yo, nous saute li pou la, mesdames et messieurs, m'pense que ou même ou ta pose tête question, où est l'état de tout ça?
où est le chef de ce gouvernement. Nous voulons parler de Premier ministre Ariel Henry, nous voulons parler de tout acolyte qui formait, ou du moins qui constitue le gouvernement en place là, je ne veux dire, en conseil des ministères et des Haïtiens vivant à l'étranger, ministères affaires étrangères, etc. Des ministères qui là, qui pour t'assurer problème, ça, qui capable faire des analyses plus approfondies, qui capable étudier cas, qui capable voir qui solution, qui plus concrète, qui était capable porter pour joindre yon aller mieux pour la population haïtienne. Sur ce, mesdames et messieurs, nous entamons notre première courte pause pour nous tourner rapide ensemble avec développement exclusive action. Non pas moi, c'est James Bertrand. Numéro de téléphone, nous c'est 36 92 72 23. Dans le dossier la police qui fait qu'on est que DCPJ lui-même a continué à mener enquête sur dossier 120 000 en cartouches qui ont été saisies sur la porte de PA. Et dans le commencement, ou du moins, dans le commencement du mois de juillet, ça, et qui t'a pral bail, qui t'a pral débouché sur arrestation Maître Robinson Pierre lui-même qui s'est conseiller actuel ministre de justice qu'il a. Donc, monsieur était jeune arrestation le vendredi qui s'est passé là par et DCPJ suite avec dossier ZAM qui ont été joints dans WAF Port de Paix. Et moi pense que yo arrêté monsieur parce que c'est monsieur qui était bail l'autre tout pour te libérer et te bail l'autre avec commissaire Michelet. Te bail l'autre ensemble avec commissaire Virgile pour te libérer deux monde qui ont été kembé et que nous avons cité dans le dossier trafic d'armes, si là, dans le port de paix. C'est pour raison ça que fait, yo arrêté monsieur, yo arrêté conseiller, yo arrêté conseiller ministre actuel là, qui c'est, et ministre justice Bertrand Dorcé. Mais pour qui raison, maintenant qui ça la justice tombe? Je ne veux dire. Bah, au départ, presse lui-même qui campait, qui sorti note, qui fait qu'on est que arrestation, c'est une arrestation illégale, que lié, et yo pas supposé à main camarade là comme ça sans que c'est pas eux-mêmes qui te bail l'ordre pour ça. Eh bien, il y a quelqu'un qui parlait bien parce que non justice en Haïti, là yo toujours utilisé article façon payo à la portée de eux-mêmes pour capable défendre cause surtout les affaires zak corruption, les affaires zak malhonnête en pays. Nous gain article 65 côté que il dit l'avocat suspendu ne peut dès le moment où la décision est devenue bon moi qui article parce que m'étais capable prendre pour nous en vain qui parlait de discipline avec l'ordre en dedans système judiciaire là et pour qui moi un avocat lui-même li vini sans immunité côté un avocat lui-même ni ka prend arrestation ka prend bel code à l'aise et à l'aise si toutefois qu'il pas respecter tout principe disciplinaire code judiciaire là. Nous pourrons regarder pour article 62. Toute infraction aux règles professionnelles et au règlement de l'ordre, tout manquement à la probité, à l'honneur et à la délicatesse expose l'avocat qui en est l'auteur et aux sanctions disciplinaires suivantes. M'amrelez vous non peut-être traduire quand même en créole. Toute infraction qui fait concernant règles qui concernant règles professionnelles là concernant comme si éthique là pour moun exercer pour venir avocat et règlement qui bail concernant l'ordre tout manquement avec toute si erreur qui fait dans fonction toute si erreur qui fait dans fonction toute si erreur qui fait dans fonction avec toute négligence qui fait concernant exercice fonction exposé avocat li mette avocat pour contre lui et qui c'est auteur on série de sanctions qui gain rapport avec discipline qui passait en dans secteur judiciaire là tant coup de bavure ça qui saute commettre là côté Maître Robinson Pierre lui qui t'est ordonné ensemble avec Michelet Virgile pour te libérer deux trafiquants d'armes. Est-ce que c'est légal? Est-ce que pas de gagner, y a une raison pour te procéder à arrestation, monsieur, tout en passant par des normes légales?
Avec Barrel Negba, au début, au point, ça me lever, camper, faire manifestation, demander libération, mettre Robinson Pierre, lui. Donc, il n'est pas normal, monsieur. On ne peut pas faire payer à ça. C'est parce que nous, les têtes, nous, avocats, pour nous penser que nous, dans secteur judiciaire là, nous penser que nous faisons, nous, qu'à faire ça, nous voulons, nous, qu'à craser payer à Jean, nous voulons, pas des monde qui connaît. Et, par qui moyen. D'ailleurs, le monde, je dis, il y a tout moyen, il y a toute façon pour, manger, meilleur remède. Et bien, si nous regardons le note que Barreau de Port-au-Prince me mettait dehors, communiqué de presse du 24 juillet relatif à l'arrestation de Maître Robinson Pierre-Louis, la Fédération des Barreaux d'Haïti exprime sa profonde préoccupation à la suite de l'arrestation ce vendredi 22 juillet 2022 de Maître Robinson Pierre-Louis, et secrétaire de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince et secrétaire général de la Fédération des Barreaux d'Haïti. Depuis cette date, Maître Pierre-Louis est gardé à vue sans mandat de justice dans les locaux de la Direction centrale de la police judiciaire de CPJ. Ce, en violation de l'article 24 de la Constitution haïtienne. On garde l'article 24 là, vous voyez, est-ce que n'y a l'article 24 là? Si n'y a l'article 24 là, on a bien compté, non, malheureusement. Mais gars article 24 là m'd'abral décortiquer ni pour nous d'abral décortiquer ni pour nous. Survenu hors de tout cas de flagrance, cette arrestation n'a donné lieu à aucune demande préalable adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats. Survenu hors de tout cas de flagrance. Pas une flagrance là toujours. Monsieur, m'a besoin même fin li note là, mais comme c'est pour éternité m'd'ab. Survenu hors de tout cas de flagrance, cette arrestation n'a donné lieu à aucune demande préalable adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, comme il est pourtant et expressément requis par le décret du 19 mars 1979 sans préjugé du fond. Cette arrestation illégale et arbitraire représente, comme le souligne de la note de la protestation publiée par le barreau de Port-au-Prince en date du 23 juillet 2022, une attaque contre la corporation et une menace pour les droits de la défense. Cette violation des règles élémentaires de la procédure pénale et des garanties judiciaires encadrant la profession d'avocat ne peut qu'interpeller et questionner les méthodes et les motivations des autorités, lesquelles ont persisté dans leur position malgré le déplacement de délégations de la Fédération des barreaux haïtiens et du barreau de Port-au-Prince. La Fédération des barreaux d'Haïti, FBH, enjoint les autorités à procéder à la remise en liberté Maître Pierre-Louis et invite à se conformer aux vœux de la loi pour mettre enfin en œuvre une véritable politique de lutte contre l'insécurité et l'impunité. Véritable lutte que nous capables mener contre l'insécurité avec l'impunité, c'est contre les poyaux, c'est vos yeux sur l'organisation de l'OAMUNIO, et puis sortir des notes pour demander pour équiper la police nationale. Là, c'est pas faire politique avec des dossiers, côté que le, et on coup de fil est fait pour mettre la patte dans cassave en série de jeunes garçons avec jeunes femmes qui n'ont gros poste, qui n'ont gros fonction, qui a occupé gros fonction dans le pays, et c'est eux-mêmes qui a détruit, et c'est eux-mêmes qui a crasé sécurité pays d'Haïti. M'ba quoi, li bon, m'ba quoi, li normal. L'arrestation de Maître Robinson Pierre, lui, ça doit normalement apporter une leçon aux autres maîtres pour être capable de connaître qui ça peut fouer, quoi, et connaître, et par qui façon ils sont capables d'exercer droit, yo, et puis dans fonction, yo. Gougoumé nan ti rivière la Tibonite entre nek exam plus passé yon vingtaine moun déjà perdu la vie. Nous connaissons Gougoumé qui là depuis quelque temps, depuis Souanel te gen Audemars ti souri ti mépris, mais ti mépris lui même li toujours là, qui armé yon toujours on série de nèg nan département la Tibonite. Jodi a la k ap mete gros terreur en bas là. Gougoumé moun a mouri, moun a tué moun, capable à suivre comment nèg ti mépris te mette devant un jeune garçon avec tout costume ni soubral,
d'après déclaration papa, jeune garçon ça c'est non tellement que t'a sorti vidéo al viral sur réseaux sociaux que t'a pral fusillé dans un champ de qui chargé ensemble avec Zerbe. C'est triste et en pile douleur pour parents yo, en pile douleur pour chaque jeune monde qui gon famille qui a sorti et entré dans la réponse chaque jour bon tu mettez en pile la peine, en pile de l'eau dans les yeux pour moun qui à l'étranger et qui gagne en famille Haïti yo obligé à faire des appels de temps en temps pour capable prendre nouvelle moun pa yo pour connaître est-ce que li en vie, est-ce que assassin, est-ce que l'état, est-ce que criminel, est-ce que nèg politique, est-ce que pouvoir pas bon ici pas gétant sous ses sang parce que nèg ça aussi vampi yo ye. Nous gagne une note vocale m'm garder moi s'il possible pour m'ta rouler note vocale ça qui c'est Chris là chef Tibois bonne armée dans troisième circonscription hein, lui-même qui fait passer une note vocale côté que l'a mandé ensemble avec la population haïtienne puis yo levé camper pour révolution. Bonjour, bonsoir à toute population haïtienne. On n'a pas besoin de cela. Jodi a, si c'est pas hypocrisie n'a pas besoin, c'est pas conscience nous va gagner. Jodi a nous tout conseillé. Les nabdi levé camper à nous tout conseillé aussi. Tout le pays, c'est même l'autre dans la diaspora, nous tout conseillons. Je dis à une question. Des mouns qui nous ont souffert. Des mouns qui nous ont mouru. Des mouns qui nous ont kidnappé. Des mouns qui nous ont kidnappé. Il n'y a pas question de malheureux, malheureuses qui ont souffert. Je dis à presque tout le monde qui a souffert, monsieur. Après, nous avons gagoté pour voir, pour choisir. Sur le pouvoir, sur le bourgeoisie, monsieur, je dis à tout le peuple haïtien, monsieur. Insécurité à la mouda nous tout. Kidnapping dans la mouda nous tout. Grand goût à la mouda nous tout. Combat même qui est monté à la mouda nous tout. Bon, regardez, même prisonnier, n'est-ce pas, monsieur. Prisonnier mon bout soin, prisonnier mon bout grand bout. Qui gouvernement ça est là, monsieur? Je dis à la, nous tous haïtiens concernés, à faire dormir, il faut que les haïtiens passent de l'eau dans l'huile pour lever. Nous finissons dormir. Il faut que nous lever quand nous finissons dormir. Je dis à la question des peuples là, oui, il faut que les peuples lever, mais je dis à tout. Si pas une hypocrisie, monsieur, journaliste, faut lever campé. Docteur, faut lever campé. Avocat, faut lever campé. Mécanicien, faut lever campé. Et dans toute couche, nous devons lever campé. Je dis à nous tout cap souffrir. Pas une question de docteur, de mécanicien, de avocat, de santé, à nous tout cap souffrir. Policier. Nous connaissons nous-mêmes, nous avons souffert en pile. Nous tuer nous. Nous faisons toutes les actions nous. Et puis tout nous quittons madame ma petite dans la souffrance. Nous connaissons nous souffert en pile policier. Je dis à faut que nous disons non. Haïti n'est pas capable encore, monsieur. Faut que nous sortions dans la misère noire ça n'y est là. Faut que le peuple a levé capé pour le dire. Nous-mêmes, peuple haïtien, nous voulons prendre des destins en main. Ce n'est pas question des corps groupes, ce n'est pas question de la France, Canada, les États-Unis qui ont décidé pour nous, monsieur. Nous sommes peuple libre, nous prenons indépendance. Il faut qu'on ait nous mettre tête en place pour nous faire Haïti sale d'où il y a. Mais c'est là tout le monde, là, où est-ce que nous-mêmes qui pire mal? Nous n'avons pas qu'à manger, nous n'avons pas l'hôpital, nous n'avons pas loisir, nous n'avons l'école, rien. Monsieur, peuple là nous pas quitter des toits, monsieur, des toits grand manger, des toits voler. Qui est mon pays en otage? Des toits sur le blanc, sur le pouvoir, qui est mon pays en otage? Qu'on y a la garde mon cap décidé pour nous. Est-ce qu'il n'a pas jamais mon pays? Si les gens de mon cap décidé pour nous, est-ce qu'il n'a pas jamais mon pays? Peuple haïtien. Les V-Campés, nous dormons trop,
manger a monté, l'argent américain a monté, moun pa ka manger, moun ap soufri. Kounya la, détoile avec un de pouvoir, a bien mangé, gen l'argent dans moun da yo, et puis nous même nous étions ap soufri, n'ap gade. Comme si mes parents étaient, et zombi nous est. Tout ça au fait nous en accepter? Non, 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 non. Passez de l'eau dans les genoux. Passez de l'eau dans les genoux. Comme nous t'avons dormi en réveillé. Nous ne pouvons pas descendre plus bas encore, nous ne pouvons pas ici. Je dis à nous besoin de changement dans toute couche. Nous besoin de classe politique. Faut que la jeunesse intégrée politique là, trois petits grands mounes en de politique là, trois petits grands mounes, faut que la jeunesse intégrée politique là. Mais les jeunes mounes en de pays a bien formé. Monsieur, pour qui ça là? Peuple là, monsieur était année ça, c'est dernière année. Pour que le pays a souffert dans l'état ça. Dernière année, monsieur. Dernière année pour que le pays a souffert dans l'état ça. Quel que soit 5 bails, le pays a souffert sur lui. Pour que le pays a marché, dégagez-nous avec lui. Quel que soit 5 bails, le pays a c'est dernier année où on a souffert comme ça. Merci. Eh bien, la société, c'était message Chris là, qui m'a dit pour tout le monde lever camper, tout ça aux jeunes sous, tout le monde péché, ou avancé, ou dégagé. Pendant que 400 maozo lui-même l'a fait causer. Il y a un inspecteur, non, c'est Réginal Lalo, qui était dans l'église dans la commune Kwa de Bouke, qui a loué, qui a adoré le Seigneur. Mais ils sont entrés dans l'église là, ils prennent l'inspecteur, ils allent avec lui, ils tuent, ils arrachent deux points. Tout ça a passé en bas yeux, directeur général actuel là, la France LB. Qui répond ce qui baille? Quête! Je ne vais pas parler du dossier ça encore. Si place Caso, yon groupe individu que moun pa rive identifier passer nos machines yo vide cartouche son paquet moun ki te kanbi bola ya parmi lesquels 5 jeunes garçons jeunes l'homme même gens tout quartier kon sa ba la te autrefois chaque zone yen nèg ki chita fè ti bazou a parler ba ti blague et cetera même je dis à la même ti même ça ou pa gen droit avec li san dan an nan ka ou pa gen ou pa à l'aise bola ou yo pa à l'aise pa kan ki n côté ou à l'aise ka nou pays papa. On a des cas à vous mettre dans le préférence. Ah oui. Il y a 16 citoyens là, men, qui sont morts. Ils sont jeunes là, morts, sous une barre, là, bordé un petit canot ta voile. Qui ont tenté, et à côté sa meilleure, à côté que l'État pas tap contribué, non. Et fusillade, yo, côté que l'État pas tap contribué, non, kidnapping, yo. Et moi ce jeune jeudi à la kidnapping de Jean Sotilta lui a son kidnapping planifié son kidnapping d'état et son kidnapping qui contrôlé par plusieurs secteurs en dans vie nationale là que ce soit la politique et l'économie quand ça côté il y a même dans les sociétés civiles là parce que des monde tout qui fait auto kidnapping pour capable joindre l'argent et gain des jeunes toujours dire mettre accent sur ça exclusivement tu gain des jeunes par vice par folie par envie de luxe qui fait gros kidnapping dehors là comment on comprendre ces deux jeunes pour passer vacances Punta Cana gain au ghetto Punta Cana là. Yo pa gen yon déclaration définitive de pour qui montre que y a travail aucun côté, yo pa gen yon patate qui montre qui business qui a rentré l'argent et yo l'on va regarder tout au niveau familial, famille yo plus pauvre que pauvre pour ta dire que yo t'a pral joine yon prêt, joine yon moun yon support pour capable al fait et al passer ses jours ça yo République Dominicaine. En pile groupe gang a ferraille dans pays a, en pile groupe gang que la police au courant.
En plus, le groupe gang, mais ça m'a suivi, je vous dis à la, depuis ce groupe gang, moun qui sous pouvoir, qui a fonctionné, ça n'a pas eu de problème parce que c'est parti par là qui l'a. C'est lui-même qui sous pouvoir, il a fait ça, mais il oublie si quand même, il s'est gang. Il va essayer de matraquer l'autre gang qui n'a pas de rapport ensemble avec lui. Je suis sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là, dans la majorité de kidnapping qui est chaud, c'est des kidnappings qui n'ont pas de bras politiques derrière eux, c'est des kidnappings qui n'ont pas de force économique là-dedans que la police arrive à dévier. Mais chaque kidnapping qui a un bras l'État, qui a un bras secteur économique, le secteur privé, là, nous avons des kidnappings qui restent là et qui s'intègrent que la police n'a jamais arrivé à démanteler. 400 baros, c'est pas jodi à la fait kidnapping. Si la pluie monte radio, il dit oui, il fait kidnapping. Iso monte la pluie, dit oui, il fait kidnapping. Yo accusé G9 de kidnapping. Tout côté net, dossier a parlé, dossier kidnapping. Mais l'État a toujours été sourd, l'État a toujours été muet, l'État a toujours été aveugle. M'bosse te kombaga sérieux, t'a wal fait la terre, sa man yo t'a parlé de plusieurs matériels kap entré pour la police la capable kwape bandi. Là on contrainte ambassade Canada parler sur ça on pas gagne notre là pour me garder moi ça ici mais ambassade Canada qui t'a prononcé sur ça bon contrainte qui fait que dans délai il était espéré pour et cargaison ça autant entrer ou pas 40 encore mais bandi toujours a gagné des armes sophistiquées qui a entré par plusieurs ports en un pays là et le arrêté on série de monde qui dans trafic d'armes l'église dans trafic d'armes en Haïti bon où est-ce qu'on va avec le pays. Où allons-nous? Vraiment pas jeune force, vraiment pas jeune courage. Je pense que dans le jour qu'a vu là, nous sommes capables de tomber à zéro net. Parce que moral là vraiment pas solide, moral là vraiment pas ferme pour produire analyse concernant ça qu'a passé là. C'est triste. Et comme on peut comprendre, nous pays côté que nous-mêmes nous là pour nous analyser, nous là pour nous faire opinion nous passer, nous là pour nous capables conseiller avec pouvoir en place là, conseiller avec la population, conseiller avec tout le monde ici et ailleurs cap garder nous cap suivre ton émission. C'est nous-mêmes qui t'a supposé avoir courage, mais nous décourager parce que même nous-mêmes nous pas à l'abri. Jusqu'à présent, il y a un journaliste qui s'est décime qui a été kidnappé et ça a pris ça a gagné pratiquement une semaine et dans même week-end ça encore, il a kidnappé un autre journaliste encore dans Kafou Peigny au niveau de l'académie police là, il a kidnappé. Ça veut dire qui ça mes amis? L'État pas au courant de ça, information ça, c'est journaliste qui gagne, Ariel pas gagne, c'est journaliste qui forme et information ça, l'État pas au courant, ministre intérieur là, il pas au courant, c'est chef CSPN qui c'est chaque cap de monte la premier kidnappeur, il pas au courant. À la Salman Azaï, papa. Nous pas arrêter trop. Nous dit, nous mandé, bon, nous pas dit pour reposer en paix. L'esprit moun sa yo ki mouri dans naufrage sa yo pa jamais reposer en paix parce que yo pa arrivé à accomplir mission que yo te bay tête yo ki s'était retiré corps dans salte là pour ta konnen la vie miyo dans yon misère de l'autre côté parce que c'est la vie miyo ta pral konnen dans yon l'autre misère mais qui probablement côté que l'état pas ta pral impliqué côté que l'état pas ta pral complice dans destruction yo pa pile pa paquet gens sa fait pa boy shit. Nous a toujours dit courage ensemble avec Nehemi Joseph, n'a toujours dit courage ensemble avec Diego côté Oyala, bon c'est que dévouement ou te gagné ou te impliqué dans bataille là. Yon jou résultat avant 20 juin. Malé tout monde, m'a gagné courage pour me continuer, m'a gagné courage pour me faire analyse, m'a gagné courage pour me faire passer opinion. C'était exclusif à ceux qui t'a présenté par moi-même. James Bertrand Chak, sorti lundi pour arriver vendredi sur Channel Radio Télévision Éclair. Toujours abonné ensemble avec nous, on a bon information. Toujours like, toujours partager l'émission nous, ensemble avec yon lot zambon pour permettre de rester connecté avec Channel Pigou Forum Digital PIA qui c'est YouTube Radio Télévision Éclair. Bye bye, bonne semaine, bon lundi à tous et à toutes.